Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 décembre, il est aux alentours d'11h, et pour préparer Noël, maintenant le compte à rebours a commencé. Venez, suivez-moi. Vous voyez, la grande roue est installée et les chalets sont aussi beaucoup plus nombreux et ils sont en train de mettre leurs articles à l'intérieur. La grande roue, vous pourrez aussi déguster des marrons grillés. Vous retrouverez ici comme l'année dernière. Je passe rapidement, je ne veux pas déranger les personnes qui installent les chalets maintenant. Comme la dernière, nous retrouvons avec plaisir. Je pense que ce sont l'effet cristal. Ne vous en faites pas, je reviendrai pour vous montrer en détail tout ce qui nous est proposé ici dans les chalets du boulevard d'Aragon. Allez, maintenant direction la place royale, mais sans déranger les personnes. Allez, maintenant place royale. Voyez, regardez. Regardez, il y a quelque chose ici au milieu là. Waouh, regardez la maison du Père Noël, vraiment décorée. Regardez ici les tours. Il y a de nouveau ici. Je reviendrai pour vous montrer plus en détail. C'est aménagé ici, monté au train. Ici aussi c'est aménagé. On passe à la télé après. Voilà, les fonctionnaires municipaux sécurisent le jardin de Noël. L'office de tourisme est décoré. Magnifique sapin. Là, l'estrade pour l'inauguration de ce soir à 18h. Et tout sera fin prêt pour 18h, l'inauguration officielle ce soir. Allez, maintenant, direction Place Clémenceau. Là, maintenant, Palais des Pyrénées. Waouh! On ne peut pas dire que le tapis rouge a été mis, il est vert en l'occurrence.
direction place Clémenceau. Il y a de nouveaux chalets. C'est pas terminé, hein? Non, non, non. Vous voyez, ça est en train d'être installé. Je ne savais pas où elle serait, mais là voilà la patinoire. La voici la patinoire. Elle est en synthétique. Voilà, c'était ma vidéo de ce vendredi 2 décembre pour vous montrer que le compte à rebours avant l'inauguration officielle de Pau fête Noël. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michaud 64 News. À bientôt.